Ok. Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent. Je m'appelle Cyril Mottier. Je suis indépendant. J'ai précédemment dirigé les équipes web et mobile chez une boîte qui s'appelait Capitaine Train, qui a été rachetée par un groupe qui s'appelle Trendline. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de Android Instant Apps. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur le planning, la description est en anglais, les slides sont en anglais. Moi, je suis français, donc je peux parler français. Je vais le faire en français, sauf si vraiment quelqu'un s'y oppose et pour que je le fasse en anglais, mais je préférerais quand même le faire en français. Voilà. Une autre petite note, en fait, vous verrez que dans ces slides, je vais beaucoup parler d'une application un petit peu pour un événement qui est assez similaire au BDXIO qui s'appelle le DevFest Nantes. Tout simplement parce que je suis nantais et que j'ai fait en fait cette présentation pour la première fois lors du DevFest Nantes, parce que j'ai réalisé l'application Android pour cette conférence-là, quoi. Mais c'est vraiment juste un exemple, et donc clairement tout ce que je vais pouvoir dire sur cette application DevFest Nantes est en fait applicable à toutes les Android Instant Apps. Et puis dernier petit point, parce que je sais que beaucoup de gens m'avaient demandé à l'époque quand j'avais posté ça sur mon Twitter, donc à Cyril Mottier. Ce slide, oui, j'ai bien mis 2h30 à placer les petites icônes en forme d'éclair, mais je trouvais ça trop fun et je suis assez content du résultat malgré les 3 heures perdues. Donc Android Instant App, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est une nouvelle technologie qui a été annoncée lors des Google I.O. de mai 2016, donc ça fait un petit peu de temps, c'est pas quelque chose de très très récent. Mais en l'occurrence, lorsque ça a été annoncé, c'était uniquement disponible en EAP, donc Early Access Preview. C'est-à-dire que Google donnait l'accès uniquement à des partenaires privilégiés ou en tout cas triés sur le volet. Et puis, lors de la Google I.O. de cette année, donc en mai 2017, Android Instant Apps a été rendu disponible de façon complètement publique. Donc au jour d'aujourd'hui, si vous souhaitez faire une Android Instant Apps, vous y avez accès de façon complètement publique. Alors, Android Instant Apps part d'un constat assez simple. Alors, juste petite question, est-ce qu'il y a tout le monde est développeur Android ou connaît un minimum Android dans la salle? Levez la main si vous êtes développeur Android. Ok, il y a un peu des deux. On verra. Donc, vous verrez, la première partie explique vraiment Android Instant Apps. La seconde partie est un peu plus technique et se concentre plus sur les développeurs Android, mais normalement, vous devriez comprendre assez facilement de quoi il retourne. Donc, comme je le disais, Android Instant Apps part d'un constat assez simple. En fait, ce constat, c'est la difficulté de partager une application native sur Android, voire tout simplement de l'installer. Donc lorsque vous voulez installer une application sur Android, qu'est-ce qui se passe? Mais il y a plusieurs étapes que vous devez réaliser. La première chose, la première étape, c'est bien sûr d'entendre parler d'une application. Vous entendez parler de l'application du BDXIO, vous pouvez en entendre parler par un ami, par un réseau social, par Twitter, par simplement un lien qui vous est envoyé par SMS. Donc il y a vraiment beaucoup de façons de pouvoir partager une application à une connaissance. Et puis une fois que vous savez un petit peu quelle application vous voulez télécharger, vous allez commencer à faire une recherche. D'accord? Et encore une fois, il n'y a pas une seule et unique façon de faire. Là, dans mon screenshot, ce que j'ai montré, c'est que j'ai utilisé le Google Launcher. Donc, lorsque vous tapez une recherche dans la liste de vos applications, si cette application n'est pas disponible, Android va vous, enfin le Google Launcher plutôt, va vous proposer tout simplement d'aller voir dans le Play Store. Mais vous pouvez ouvrir directement le Play Store, vous pouvez avoir un lien directement vers la bonne page dans le Play Store. Enfin, il y a N façons d'aller vers la page d'installation du Google Play Store. Une fois que vous êtes sur le Play Store, vous arrivez sur cette fameuse fiche de détails qui contient pas mal d'informations intéressantes, la notation de l'application, son titre, son nombre de downloads, quelques screenshots. Tout ça, c'est très utile, mais au final, tout ce qui vous est vraiment utile lorsque vous voulez installer l'application, c'est ce fameux bouton vert sur lequel c'est écrit « Install ». Et lorsque vous cliquez dessus, le système commence à télécharger l'application et à l'installer. Et l'installation, ça peut prendre du temps, ça peut prendre 2 secondes, mais ça peut prendre 10 secondes, ça peut prendre 1 minute. Tout ça dépend bien sûr de la connectivité dans laquelle vous situez, vous vous retrouvez avec votre téléphone. Donc lorsque vous êtes connecté Wi-Fi, généralement ça va assez vite. Si vous êtes en situation de mobilité avec une connexion Edge, par exemple, dans le train ou dans le métro, parfois ça ne fonctionnera pas ou alors très mal. Et une fois que l'APK est téléchargé, le système va commencer à installer votre application et c'est uniquement à la fin de tout ça que vous allez recevoir une notification
ou qu'une icône va être ajoutée dans la liste de vos applications. Et enfin, une fois que vous allez cliquer sur cette notification ou sur l'icône du launcher, vous allez enfin arriver dans l'application. Donc tout ça pour vous dire qu'on a vraiment suivi, pour arriver enfin à installer une application, on a dû suivre vraiment tout un processus qui est long et même qu'on pourrait dire signifier ou en tout cas expliquer comme escarpé, tout simplement. Donc là, j'ai refait un petit peu ce fameux tunnel où vous commencez à rechercher l'application pour pouvoir l'installer, en fait, ensuite vous la démarrez. Il y a même certaines fois des étapes que je n'ai même pas décrites, telles que l'initialisation de l'application. Parfois, il vous faut un compte, créer un compte ou se connecter. Tout ça, ça repousse en fait l'usage effectif de votre application. Et donc, l'idée d'InstantTab, c'est tout simplement de corriger tout ça. D'accord ? Et la façon de corriger tout ça, c'est tout simplement de réduire la friction autant que faire se peut. Et la friction, elle arrive vraiment dans tout le processus que j'ai pu décrire précédemment, elle arrive vraiment dans deux choses. La première, c'est le partage et la recherche de l'application. Vraiment, vous avez vu, il y a beaucoup de façons de faire et des fois, c'est assez long. Et puis, la deuxième chose qu'on peut vraiment optimiser, c'est l'installation de l'application. Donc, si on devait vendre InstantTab d'une façon assez succincte et simple, en fait, InstantTab, pour moi, ce qui résume le mieux InstantTab, c'est vraiment des applications natives sans l'installation. D'accord ? Donc, c'est vraiment les avantages des applications natives sans les inconvénients de ces applications natives, à savoir notamment toute la phase d'installation. Donc à quoi ça ressemble en vrai, dans le monde réel, voilà à quoi ça ressemble Android InstantTab. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est la recherche ou le partage d'une application. Et en fait, Android InstantTab vient corriger ce problème en utilisant quelque chose qui est très connu et qui n'a rien de neuf. Ça s'appelle les liens hypertextes. Donc Android InstantTab va simplement utiliser ces liens hypertextes. Donc là ici j'ai reçu un texto de ma femme qui me dit tu devrais regarder cette conférence et dedans il y a un lien tout simplement qui est en tout cas reconnu par Android InstantTab. Alors ça, si je clique sur ce lien depuis la toute première version d'Android, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, si l'application est installée, cette application peut être démarrée directement sans passer par Chrome. Si l'application n'est pas installée, eh bien, automatiquement, vous allez vous retrouver dans Chrome à cette adresse-là. D'accord ? Avec Android InstantTab, ce deuxième cas est en fait séparé en deux. Même pas séparé en deux, c'est-à-dire que soit vous allez directement dans Chrome si vous n'avez pas Android InstantTab dans votre application. Si vous avez une Android InstantTab, eh bien, c'est l'Android InstantTab qui va prendre le pas sur Chrome. Une fois que je clique sur ce lien, automatiquement le runtime Android InstantTab va détecter qu'il y a une InstantTab associée à ce lien et va donc automatiquement télécharger l'APK associé à ce lien et puis démarrer directement l'APK sur lequel vous avez cliqué. Donc là vraiment il y a quelque chose de complètement rapide et succinct puisque vous cliquez simplement sur un lien pour vous retrouver directement dans une application native. Donc là, c'est un process qui vous paraît complètement naturel lorsqu'on parle du web, sur Android ou le natif en général, que ce soit iOS, Android, c'est pas quelque chose de forcément naturel. Donc Android InstantTab, c'est vraiment ça. Et d'un point de vue expérience utilisateur, ici, c'est vraiment la story complète. Ici, on a une histoire complète de bout en bout d'Android InstantTab. Donc maintenant, si on commence à aborder un petit peu comment ça marche de façon technique, en fait, ça part d'un constat assez simple. Android InstantTab part du constat que d'un point de vue store, donc si on se place d'un point de vue Play Store, en fait, toutes les applications sont considérées comme atomiques ou monolithiques. D'accord ? Donc à chaque fois que je veux télécharger, Facebook, même si je veux juste envoyer un message à un ami, je me retrouve à télécharger tout Facebook. Toutes les fonctionnalités qui sont implémentées dans l'application native Facebook se retrouvent téléchargées. D'accord ? Donc Android InstantTab va essayer de considérer tout simplement cet ensemble-là comme des parties discrètes. Alors, au jour d'aujourd'hui, il y a déjà sur Android quelques systèmes qui permettent de casser votre application en plusieurs parties, enfin votre APK en plusieurs parties, telles que les expansion APK, on appelle ça, qui sont notamment utilisés dans tout ce qui est jeux vidéo, mais en l'occurrence, ils sont obligatoires lorsque vous souhaitez démarrer l'application, d'accord ? Donc vous pouvez télécharger une application qui ne contient pas la totalité des données ou des fonctionnalités,
mais avant de pouvoir la démarrer, vous allez devoir quand même télécharger ces expansions APK. Donc ça ne corrige pas le problème. Un autre exemple, par exemple, qui montre bien ce problème de devoir tout télécharger, c'est qu'avec la toute première version d'Android Wear, alors je ne sais pas s'il y en a encore qui se rappellent d'Android Wear, mais donc c'est la version montre, l'APK associée à la version montre était était bundlée avec l'APK pour le téléphone. Et donc même si vous n'aviez pas de montre, vous vous retrouviez à télécharger en fait l'application qui était destinée aux montres. Ce qui fait que dans 95% des cas, on téléchargeait en fait du code qui n'était pas du tout utile. Donc si on regarde un petit peu plus en détail qu'est-ce qui se passe, bah voilà, du point de vue store, voilà ce que c'est une application. C'est un blob de données, un blob binaire, atomique et monolithique, qui contient du code et des ressources. Voilà. Mais en l'occurrence, il faut plutôt le voir, qu'est-ce qui se passe dedans en fait. Dedans, en fait, on se rend compte qu'il y a plusieurs fonctionnalités. Il peut y avoir une fonctionnalité 1, 2, 3, et tout ça généralement repose sur une sorte de framework interne qu'on développe à chaque fois qu'on développe une application et qui va être utilisée par chacune de ces fonctionnalités. Donc c'est vraiment comme ça que Android Instant Apps voit le modèle applicatif Android et donc va reposer sur ce système-là pour tout simplement fournir un APK qui soit associé à un lien de façon simple et rapide. Et d'un point de vue output, donc quand vous générez vos binaires qui vont être utilisés et uploadés sur le Play Store, qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout simplement, lorsque vous êtes sur une application Android, là ici rien de nouveau, vous avez un APK qui contient tout, c'est ce qu'on expliquait juste avant, sauf qu'en fait, qu'est-ce qu'il contient? Il contient plusieurs features, et puis généralement un blob de données qui s'appelle Common, qui va contenir des ressources et du code utilisés par toutes les fonctionnalités. Alors juste pour information, un APK ça n'a rien de magique, hein, c'est en fait un zip. C'est un fichier zippé d'accord, qui contient des ressources et un point dex qui est au final l'équivalent des points classe, on va dire, en Java. En Java classique, pardon. Et puis dans le cas de l'Instant App, l'output va être un petit peu différent. C'est-à-dire que là, plutôt que d'avoir qu'un seul et unique APK, on va en faire avoir un zip qui contient plusieurs APK. Et chacun de ces APK correspond soit à une feature, soit à ce qu'on appelle le fameux framework, ou plutôt le base APK. D'accord ? Donc le base APK ici, comme je disais, correspond au common, à la fonctionnalité common, et puis chacune des features APK va correspondre à la fonctionnalité de votre application. Alors qu'est-ce qui se passe côté device maintenant? Ça c'était juste l'output. En fait, on voit bien que d'un point de vue store, il y a vraiment une différence entre Instant App et app régulière, mais d'un point de vue diffusion de l'application, il y a quelque chose qui va vraiment être différent. En effet, lorsqu'on regarde une app classique, donc celle que vous trouvez depuis la toute première version d'Android, lorsque vous téléchargez, voilà ce qui se passe, vous téléchargez tout et tout est installé directement sur le device. D'accord ? Encore une fois, ce que je disais, c'est les APK réguliers sont complètement monolithiques et atomiques et donc vous êtes obligé de tout télécharger. Dans le cas de l'Instant App, maintenant qu'on a considéré qu'une application pouvait être séparée en plusieurs morceaux, eh bien tout simplement le runtime Android Instant Apps va pouvoir faire des téléchargements à la demande. D'accord ? Donc si j'utilise uniquement la feature 1 dans mon application, eh bien l'Android Instant App runtime va installer d'abord le base APK parce que c'est l'ensemble de code et de ressources qui est utilisé par toutes mes fonctionnalités, donc c'est vraiment un APK utile, et puis télécharger l'APK de la feature 1. D'accord ? Si j'utilise uniquement la feature 2, ben encore une fois, vous avez sûrement compris la logique, je vais télécharger le base APK et la feature 2 APK. Maintenant, si je veux utiliser la feature 1 et ensuite la feature 2, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que là, vous avez compris. Eh bien, le système va d'abord télécharger base APK et feature 1 APK. Et puis ensuite, comme je veux utiliser la fonctionnalité numéro 2, pas besoin de retélécharger le base APK parce qu'il est déjà présent localement. Donc je vais simplement retélécharger le feature 2 APK. Si j'utilise toutes les fonctionnalités, au fur et à mesure, en fait, l'APK final va se construire. D'accord ? Au fur et à mesure que vous utilisez l'application, l'Android Instant Apps, au fur et à mesure que vous l'utilisez, eh bien, les portions de code vont être téléchargées à la demande en fonction de votre usage. Voilà. Alors là, dans cet exemple, ce que j'ai montré, c'est que l'Installable Application et l'Instant App Application ont exactement le même nombre de fonctionnalités. Mais vous pouvez complètement avoir quelque chose de différent. Vous pouvez avoir une fonctionnalité qui est uniquement dans Instant App ou des fonctionnalités qui sont uniquement dans l'Installable App.
Enfin, il n'y a aucune nécessité pour vous d'avoir un matching parfait entre les fonctionnalités de l'installable app et de l'instant app. Voilà, voilà comment marche Android Instant App, rien de plus compliqué. En termes de requirements, alors il y a bien sûr quelques requirements. Android Instant App fonctionne sur Android Lollipop et supérieur. Alors Android Lollipop, c'est une version, donc la version 5.0, donc qui a 3 ans maintenant. En fait, si on replace ça un petit peu dans le contexte des devices, en fait, ça correspond à peu près à 500 millions de devices. Donc c'est quand même quelque chose de non négligeable. Et puis ensuite, bien sûr, dans les requirements, lorsque vous voulez développer, il va falloir utiliser les dernières versions d'Android Studio, notamment la version 3.0 qui est sortie en version finale assez récemment et qui contient l'Instant Apps Development SDK. Donc ce SDK, qu'est-ce qu'il contient ? Donc la version 1.1 actuellement, elle contient bien sûr un support dans l'émulateur, donc ce qui vous permet de tester directement depuis l'émulateur, et puis des nouveaux Gradle plugins. Donc là, si vous êtes développeur Android, des plugins tels que com.android.application, vous devez connaître. Et bien maintenant, le plugin Gradle introduit de nouveaux plugins tels que le com.android.feature et le com.android.instantapp. On y reviendra un petit peu par la suite. Android Studio vient aussi avec un support du refactoring assez poussé, un support des applinks. On y reviendra un petit peu par la suite. Et puis, il y aura bien sûr deux SDK qui sont utiles lorsque vous voulez vraiment interagir entre votre Instant App et votre Installable App. Il y a bien sûr quelques requirements plutôt du côté applicatif. D'accord ? Ces requirements, c'est la nécessité premièrement de gérer ce qu'on appelle les runtime permissions. Alors les runtime permissions ont été introduits avec Android 6.0. En quoi ça consiste ? C'est tout simplement ce dialogue qui s'affiche non plus à l'installation de l'app, mais directement à l'usage de l'app, lorsque vous avez vraiment besoin d'accéder à quelque chose, à une fonctionnalité du téléphone qui nécessite la permission de l'utilisateur. Ça peut être par exemple le cas pour récupérer la position GPS ou accéder au contact ou au calendrier de l'utilisateur. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous devez normalement au moins gérer ça, mais en règle générale, on va dire, en pratique, on se rend compte que la plupart des applications le font déjà, puisque tout simplement ça c'est quelque chose qui a été demandé ou en tout cas introduit depuis 2 ans et demi à peu près dans le monde Android. Et puis le deuxième requirement côté app que vous devez respecter, c'est tout simplement ce qu'on appelle AppLinks. AppLinks, ça va consister en quoi ? Ça va consister à informer le système, ou en tout cas même je dirais le monde entier, que votre application native est associée à un domaine que vous possédez. D'accord ? Donc j'avais déjà fait une conférence là-dessus, mais on va refaire un petit descriptif de quoi ça consiste. Donc si on va dans le code source, un petit peu de l'Android Manifest, vous allez avoir généralement sur chacune de vos activités un intent filter. Cet intent filter décrit en gros à quoi vous associez votre application comme lien. Donc là, ici, je dis simplement que tous les slash license de mon host sont en fait récupérés par cette application. En l'occurrence, host ici, c'était tout simplement defs.gdgnant.com. Donc vous pouvez remplacer le $accolade host par defs.gdgnant.com/license vont être en fait récupérés par l'application. Donc ça, c'est quelque chose que vous faites depuis la toute première version d'Android. Il n'y a rien de nouveau pour ceux qui ont fait un peu d'Android. La seule chose un peu nouvelle ici, c'est l'attribut Android Auto Verify True sur l'Intent Filter. Voilà, c'est la seule chose à ajouter. Alors malheureusement, je dirais, dans la documentation sur developer.android.com, Auto Verify n'est pas en fait encore dans la documentation, ce que je ne comprends pas trop parce que ça fait un peu 2 ans que ça a été introduit. Mais par contre, je vous conseille vraiment, si vous avez envie de retrouver un petit peu de documentation à propos de cet attribut-là, d'aller sur la documentation de r.attr. Donc ça doit parler à ceux qui font un peu d'Android. Et donc ça va consister en quoi ? En mettant tout simplement cet attribut-là, vous demandez au système, à l'installation, d'aller vérifier que l'application est bien associée au nom de domaine qu'elle mentionne. D'accord ? Donc du côté Android, c'est la seule chose que vous devez faire. Juste mettre Android:autoverify true. D'accord ?
Donc là, on dit au système de vérifier l'association de l'application à un domaine. Bien sûr, il faut montrer, il faut montrer à un moment que vous êtes en possession de ce nom de domaine, d'accord ? Et donc ça passe par ce qu'on appelle les Digital Asset Links JSON, d'accord ? Et donc ça va consister tout simplement à mettre un fichier à un endroit particulier sur votre nom de domaine, d'accord ? Enfin, sur votre serveur. En l'occurrence, vous allez devoir le mettre à cet endroit précis qui est /.well-known/assetlinks.json, d'accord ? Alors, le point well-known, je ne sais pas si vous connaissez, en fait, c'est une RFC assez, qui existe, hein, qui s'appelle la 5785, et qui consiste tout simplement à mettre quelques métadatas par rapport à votre site web. Donc, en l'occurrence, ça, ce n'est pas quelque chose qui est propre à l'aspect Digital Asset Links, c'est vraiment propre à tous les sites en général, je dirais. Mais par contre, ce qui est vraiment propre, c'est le fameux assetlinks.json, d'accord ? Ce fichier doit, alors il y a quelques petites précisions, parce que je sais que quand on commence à développer avec ça, on se prend souvent un petit peu les pieds dans le tapis et on se rend compte pas forcément que la documentation n'est pas forcément très explicite là-dessus. Ce fichier doit forcément être servi comme content type application JSON, d'accord ? Même si c'est un point JSON, il faut vraiment le mettre dans les headers que c'est un content type JSON. Et puis surtout, doit être servi en 200, d'accord ? Et non pas en 400, 500, ça, c'est sûr que ça n'a aucun sens, mais même un 300, un redirect, n'est pas considéré comme valide, d'accord ? Donc vous devez vraiment le servir en statut HTTP 200. Et qu'est-ce que contient ce fichier ? Bien, tout simplement, en fait, des informations qui vont permettre de montrer cette association entre votre application native et votre nom de domaine. Donc, l'assetlinks.json est en fait un format qui est défini par Google, qui s'appelle, comme je le disais, Digital Asset Link JSON. Vous pouvez aller sur developers.google.com/digital-asset-links pour avoir toute la spec. Mais globalement, là, je pense que vous avez à peu près toute la spec qui décrit la norme. En l'occurrence, ce fichier consiste à tout simplement associer une source à une cible, d'accord ? Donc la source, en l'occurrence ici, la source c'est celle qui contient le fichier, d'accord ? Donc la source ici, c'est bien le site web, qui va avoir une relation, donc c'est cette association, ou en tout cas cette délégation. Ici, on voit bien que la délégation, c'est la délégation de permission, et que cette permission, c'est tout simplement, je délègue le fait de pouvoir gérer tous les liens qui me sont associés, d'accord ? Donc le site web délègue la capacité de gérer tous les liens à cette cible, qui est en l'occurrence une application Android, dont le package name est comme .gdgnant.fs.android, donc ça c'est le package name classique de l'application, et qui est signé avec une clé dont l'empreinte est donnée par ce tableau-là. Voilà, donc c'est vraiment tout simple, la seule chose que vous devez faire côté serveur, c'est tout simplement intégrer ce fichier-là. Alors ici j'ai juste mis un exemple, mais vous pouvez bien sûr avoir, c'est un exemple facile, là on avait juste un domaine, mais vous pouvez avoir plusieurs domaines. maps.google.com, maps.google.fr, maps.google.de, etc., etc. Donc vous pouvez très bien avoir ce fichier-là, avoir une application associée à plusieurs domaines ou avoir plusieurs domaines associés à une seule et unique application. Ça, il n'y a aucun problème pour le faire également. Et une fois que vous avez mis ça en place, c'est quelque chose que vous pouvez faire même sans faire de l'Android Instant App, ce qui va vous permettre d'éviter cette fameuse dialogue, je ne sais pas si vous l'avez déjà eu quand vous cliquez sur un lien qui vous demande est-ce que vous voulez aller dans l'application ou sur Chrome. En fait, une fois que vous avez fait ça, le système ne va même plus vous demander, il va aller directement dans l'application parce qu'il sait que vous êtes détenteur du domaine. D'accord ? Mais donc ça, c'est la seule chose que vous devez faire vraiment en prérequis pour faire de l'Android Instant Apps. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez faire de l'Android Instant Apps. Et Android Instant Apps, ça consiste en quoi ? Bah, comme je le disais au tout début, à commencer à casser votre gros APK, on va dire, en plein de petits morceaux qui représentent chacun une fonctionnalité de votre application. Donc clairement, il va falloir commencer à modulariser votre code. Donc en quoi ça consiste, la modularisation de votre code ? Tout simplement à commencer à bien comprendre en quoi consiste votre application et comment on peut la séparer en plusieurs fonctionnalités. Donc ça, globalement, c'est les quatre écrans, on va dire, globaux de l'application d'FS Nantes. Et donc si on regarde un petit peu en quoi ça consiste, on se rend compte qu'il y a vraiment trois fonctionnalités majeures. La première, c'est le fait d'accéder au programme. La deuxième, c'est le fait d'accéder à la liste des licences de toutes les librairies qui sont utilisées dans l'application. Et puis, la troisième, c'est un écran qui avait été mis juste un petit peu pour la marque d'Afest.
c'est cet écran About, d'accord. Donc ça, c'est les trois fonctionnalités de l'application. Et puis, si vous voyez un petit peu, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va considérer que le schedule, lui, il faut télécharger l'application. Les licences, bah, ça, on va le mettre en instant apps. Et puis, About, on va le mettre aussi en instant apps. C'est pour ça que vous voyez bien que l'installable app est un module dans app, alors que licence et about sont des modules qui sont considérés comme des features. Donc là, je vous ai parlé que des fonctionnalités, mais bon, si vous vous rappelez bien, je parlais aussi d'un base APK. Et qu'est-ce que contient ce base APK? Bah, tout simplement, il va contenir des choses qui sont vraiment réutilisées entre les features et l'installable app. D'accord? Donc, par exemple, ça peut être l'application de l'icône, l'icône de l'application, pardon, les fontes que vous utilisez dans votre appli. Typiquement, là, on avait une fonte custom qui était utilisée à la fois dans l'installable app et dans les applications, dans les instant apps. Tous les styles ou les dimensions ou les couleurs qui sont en gros votre charte graphique, et puis potentiellement tout votre framework, donc des base activity, des base fragments, des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment ce qui va aller dans le base APK. Alors la modularisation en tant que développeur, bah, ça va être déplacer des fichiers d'un dossier à un autre globalement, ce qui peut être un peu rébarbatif. Heureusement, Android Studio vient avec un outil qui s'appelle Modularize. Donc vous pouvez, il y a une action, donc commande maj A, vous allez pouvoir accéder à une fonctionnalité qui s'appelle Modularize. Lorsque vous êtes dans une classe, alors ça ne marche que sur Java, ça ne marche pas sur Kotlin au jour d'aujourd'hui, ce qui fait que j'ai pas pu l'utiliser parce que l'application est en Kotlin. Mais lorsque vous avez un fichier Java, si vous allez par exemple dans mainActivity.java, vous faites modulariser et Android Studio va automatiquement vous dire « Ah ouais, mais si tu veux modulariser cette classe Java, il faut aussi modulariser, enfin il faut faire, faut emmener toutes les ressources qui sont associées, d'accord ?» Donc ça peut être les layouts XML, ça peut être les drawables XML, ça peut être les drawables, les images, etc. Et donc automatiquement, l'action modularize va s'en occuper. Et une fois que vous avez vos modules, bah, il suffit simplement de dire à Gradle que vous souhaitez builder une application qui est à la fois installable et à la fois instant. Donc si on va un petit peu dans le fichier Gradle, le premier c'est settings.gradle, bah, vous allez voir qu'avant, là où on avait normalement que include de l'app, puisqu'on n'avait qu'une app, maintenant on va avoir plusieurs modules, d'accord ? On a un premier module du coup qui est app, bien sûr, puisqu'on a toujours une app. Un deuxième module qui va être le module base APK, donc qui s'appelle ici features2.base. Et puis ensuite, on va avoir les modules qui sont associés à chacune des fonctionnalités. Et puis enfin, le petit nouveau, je dirais, c'est un nouveau module qui s'appelle Instant, qui va permettre de générer l'Instant App. D'accord ? Si on commence à aller regarder un petit peu ce qui se passe dans les build.gradle, là, on va regarder le module base, en quoi il consiste. Alors là, il y a quelque chose normalement de nouveau lorsque vous faites de l'Android, c'est que vous ne connaissez pas ce plugin. Là, c'est le nouveau plugin qui permet de définir un module comme étant un feature module. D'accord ? Donc là, j'applique le plugin com.android.feature. Et puis, dans le cas particulier du base APK, je dois informer le build system que mon base APK est en fait ma base feature. D'accord ? Donc c'est ce fameux base APK. Et je vais pouvoir le faire avec tout simplement base feature que je mets à true. Et puis ensuite, je vais rajouter des dépendances, alors qui peuvent être un peu bizarres, parce qu'on pourrait imaginer que ces dépendances ne devraient pas être ici. En fait, en l'occurrence, ce n'est pas vraiment inclure le code de app dans le base APK, c'est simplement que base APK a besoin d'informations qui sont dans l'application ou dans les features, notamment l'application ID, ce genre de choses. Et donc, on est obligé de les définir dans les dépendances. Si je vais dans les features APK, ici, encore une fois, je retrouve quelque chose d'assez similaire à ce que j'ai vu avant. La seule chose qui change ici, c'est que j'ai toujours un plugin com.android.feature. Par contre, ma dépendance pour ma fonctionnalité about, bah, c'est tout simplement le base APK. D'accord ? Donc j'ai une dépendance sur feature2.base. Si je vais dans l'application maintenant que j'ai sorti le about et le license, je me retrouve à utiliser de nouvelles dépendances, bien sûr. Donc les dépendances de l'app, ça va être d'utiliser la base, about et licenses, d'accord ? Donc je vais vraiment utiliser les modules que j'ai créés, là, vont tous être intégrés dans l'application finale. Et puis enfin, si je regarde ce dernier, l'application Instant, elle va utiliser un nouveau plugin, encore une fois, qui s'appelle com.android.instantapp, et ce plugin va tout simplement permettre de générer l'instantapp, d'accord ?
L'instant table, comme je vous le disais tout au début, c'est simplement un fichier zip. Donc en clair, il n'y a rien, vraiment rien d'autre dans ce fichier, si ce n'est les dépendances. Donc ici, les dépendances, c'est les trois features modules que je vais devoir mettre dans mon instant app. Et en l'occurrence, ici, c'est base, about et license. D'accord ? Et c'est tout. Et une fois que vous avez ça, votre instant app est prête pour être publié sur le Play Store. D'accord ? Alors bien sûr, il y a quelques petites contraintes, notamment en termes de poids. Donc là, vous ne vous inquiétez pas, il y a des maths, mais ce n'est pas très compliqué. Ce que j'essayais d'expliquer ici, c'est que l'idée d'Android Instant App, bien sûr, c'est de splitter en plusieurs fonctionnalités, mais vous devez vous assurer que toutes ces fonctionnalités, elles aient un poids minimaliste, ou en tout cas le plus petit possible. D'accord ? Et donc le poids d'un binaire, en fait, au final, va être le total de tous les APK qui consistent en une fonctionnalité. Donc si je regarde le poids total d'une Instant App, si on utilise toutes les fonctionnalités, eh bien ça va simplement être le poids du base APK plus le poids de toutes les features APK. D'accord ? En fait, ça c'est vrai, mais il y a quand même une limite à un certain moment. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire en sorte d'avoir une Instant App qui au final pèse 200 mégas. Vous devez vraiment vous assurer que ce soit le plus minimal possible. Et si je regarde en fait plutôt cette formule-là, en fait le poids du base APK plus le maximum de tous les poids des features APK doit être inférieur à M. Ça, c'est une contrainte que vous avez en fait lorsque vous faites l'Android Instant Apps. Alors, c'est quoi ce M ? Ce M, c'est ce qu'on appelle le maximum download bundle size. Et en l'occurrence, il y a quand même quelque chose qui est plutôt cool, c'est que lorsque vous développez, en fait, c'est infini. Donc, vous n'avez pas de limite lorsque vous développez, ce qui fait que vous pouvez rapidement prototyper une Android Instant Apps sans avoir à vous soucier des limites. Ça permet également de faire un proof of concept et potentiellement vendre le concept à votre product owner. C'est un exemple parmi d'autres. Par contre, une fois que vous allez aller sur le Play Store, vous allez avoir cette contrainte qui commence à se réduire. Et heureusement, pour les utilisateurs, je dirais. Donc cette contrainte en fait, de M passe à 10 mégas lorsque vous êtes sur une track development du Play Store. D'accord ? Donc ce qui est plutôt utile lorsque vous faites de l'alpha testing ou du beta testing. Et enfin, lorsque vous êtes en production, cette constante-là doit être, en fait, enfin, cette limite-là passe à 4 mégas. Donc 4 mégas, ça veut dire que, encore une fois, le poids du base APK plus le poids du plus gros feature APK doit être inférieur à 4 mégas. D'accord ? Sinon, ça ne fonctionne pas. Alors 4 mégas, ça ne veut pas dire qu'il faut atteindre 4 mégas. Encore une fois, c'est une limite supérieure. Donc si vous êtes à 1 méga, mais c'est encore mieux parce que ça veut dire que tout simplement le téléchargement va être encore plus rapide. Donc essayez pas d'atteindre 4 mégas. L'idée, c'est vraiment d'être le plus petit possible et de ne jamais dépasser 4 mégas, sinon ça ne peut pas faire. Donc comment on fait tout ça ? C'est toujours la même chose. Je veux dire que ce soit une Instant App ou une Installable App, ça ne change pas grand-chose. Plus c'est petit, mieux c'est, tout simplement, parce que ça va rendre le téléchargement beaucoup plus rapide et donc parfois même complètement invisible pour l'utilisateur. Donc ça consiste en quoi ? Tout simplement diminuer le poids de votre APK. Et pour diminuer le poids de votre APK, je veux dire, ça pourrait faire l'objet d'une conf complètement dédiée. Il y a beaucoup de choses à faire. Vous pouvez faire en sorte de ce qu'on appelle le resource shrinking. Donc en clair, ça revient à faire du tree shaking et de ne pas bundler dans l'APK les ressources qui ne sont pas vraiment utilisées par votre application. Vous pouvez faire de la code minification. Donc là encore, c'est généralement derrière ProGuard, on va faire du tree shaking du graphe de code. D'accord ? Donc on va prendre la racine de votre code, donc la racine de votre graphe qui représente votre code, et puis on va le secouer comme ça, et tout ce qui n'est pas en fait utilisé par votre application va être supprimé, ce qui peut parfois réduire drastiquement le poids de votre application. La code minification, ça va aussi passer par l'obfuscation, qui permet également un petit peu de réduire le code. Et puis il y a énormément de choses comme ça que vous pouvez faire sur Android. Utiliser des vecteurs graphiques, pourquoi ? Parce que les vecteurs graphiques sont beaucoup moins lourds en termes de poids que ce que vous pouvez avoir en utilisant une bitmap ou un JPEG. Enfin, une bitmap ou un PNG ou un JPEG. Là, j'en ai listé plein, mais il y en a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et généralement, en fait, tout ça, c'est des choses que vous pouvez déjà faire avant même de faire de l'instant app. Juste pour la petite histoire, en fait, ça, c'était des choses que moi, j'avais déjà mis en place lorsque je travaillais chez Capitaine Train. Et en fait, on était déjà sous la limite des 4 mégas
avant même de faire de l'instant tap en fait. Donc juste si vous respectez ça, il y a de fortes chances que votre application passe sous la barrière des 4 mégabits. Alors je vous conseille en tant que développeur, si vous avez vraiment besoin de comprendre un petit peu où est pris le poids de votre application, c'est d'utiliser ce qu'ils appellent l'APK Analyzer, donc qui fait partie d'Android Studio à partir de 2.0 je crois. Donc l'APK Analyzer c'est vraiment ultra pratique parce que ça va tout simplement vous permettre de voir la taille de chaque composant de votre application. En l'occurrence ici on voit très bien que 65% du poids de l'application est pris par du code, d'accord ? Juste en dessous, on voit que 24% est pris par les ressources, et puis ensuite, c'est des choses un peu plus négligeables. Donc ça, c'est vraiment très très pratique. On voit également, je ne sais pas si vous voyez juste en haut, raw file size, donc le fichier pèse 1,8 MB, et en fait, au download, il pèse 1,5 MB, parce que du coup, c'est un zip qui est téléchargé, et non pas un fichier raw. Et puis, APK Analyzer marche aussi avec les zips qui contiennent des APK. En l'occurrence, les zips qui contiennent des APK, c'est ce qu'on appelle, enfin c'est exactement le fichier que vous allez publier sur le Play Store lorsque vous voulez faire une instant app. Et donc là, on peut voir que mon instant app, elle consiste en un base release APK, un about release APK et un license-release APK. Et on peut voir assez rapidement dans les download size que le base release APK, il pèse 1,6 MB, ce qui est 99% du poids. Mais une fois qu'on a téléchargé ce base release APK, on se rend compte que le About Release APK, lui, il pèse que 12 kilobits, enfin kilooctets, pardon, et puis Licenses Release APK, il pèse que 5,7 kilooctets, ce qui montre vraiment que lorsque vous allez cliquer, lorsque vous allez naviguer de About à License, globalement, il n'y a que 5,7 kilooctets à télécharger, ce qui fait que ça va être complètement transparent pour l'utilisateur et ça va être très 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 rapide. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser cet outil qui est vraiment une mine d'or en termes d'analyse de vos APK et pour vraiment savoir où est pris le poids de votre application. Et puis si vraiment tout ça ne suffit pas, vous avez bien sûr d'autres fonctionnalités qui sont possibles, ce qu'on appelle les configuration splits. Les configuration splits, pour moi, c'est vraiment utilisé en dernier ressort, c'est si vous n'arrivez vraiment pas à vous en sortir et à passer sous la limite des 4 mégaoctets, pardon. Ça consiste en quoi ? Ça consiste tout simplement à constater quelque chose de simple, c'est qu'une application, généralement, elle contient plusieurs ressources qui vont permettre de s'associer à plusieurs densités d'écran. D'accord ? Donc si vous avez un écran, avec une densité élevée, donc par exemple XXHDPI, ça ne sert à rien d'envoyer des ressources qui sont pour des écrans plutôt dédiés MDPI. De la même façon, si vous avez une architecture x86, pourquoi envoyer du ARM, voilà. Donc le split APK, ça va consister en ça, à faire plusieurs APK en fonction de la configuration de votre téléphone. Et donc ça se fait tout simplement en utilisant ce DSL un petit peu particulier, donc Generate Pure Split True, et puis dans Split, on va pouvoir splitter par ABI, donc l'ABI c'est l'architecture du CPU, la densité c'est la densité de l'écran, et puis de façon plus récente, vous allez pouvoir aussi splitter par langue. Donc ça ne sert à rien d'envoyer la langue française sur un téléphone qui est de toute façon en anglais. Voilà. Donc là, en l'occurrence, ce que j'ai fait, c'est que j'ai splitté par langue, en disant que j'inclus les deux langues, anglais et français. Voilà ce que vous pouvez faire du côté développeur. Ensuite, d'un point de vue plus utilisateur, l'instant app a quand même un certain avantage, c'est qu'elle est directement disponible pour les utilisateurs. Par contre, il y a un moment, il y a certaines fonctionnalités qui seront forcément uniquement disponibles dans l'installable app. D'accord ? Vous allez peut-être avoir le souhait de pousser un petit peu l'utilisateur à vraiment télécharger l'application si l'application lui plaît. Et donc vous pouvez fournir ce qu'on appelle des installation prompts. Donc là ici je vous ai fait un screenshot qui montre que en haut de la liste du programme, lorsqu'on est en installable app, je vais pouvoir proposer d'installer l'application. Et notamment en l'occurrence l'application elle va pouvoir fournir de nouvelles fonctionnalités. Donc ici je viens pas pousser l'utilisateur à installer l'app juste pour installer l'app, je viens juste dire que ça va lui permettre d'accéder à des fonctionnalités qui ne sont pas possibles en instant app. Donc typiquement les reminders de session, donc 5 minutes avant le début d'une session mise en favorite, je vais avoir une petite notification qui s'affiche et ça c'est possible en installant l'application. Mais si l'utilisateur souhaite pas avoir tout ça, il n'y a aucune obligation là, il peut cliquer sur skip et il ne verra plus le message. Alors comment on va pouvoir faire ça ?
Bien, tout simplement en sachant si vous êtes en train de runner dans un contexte instant ou si vous êtes en train de runner dans un contexte installable. D'accord? Donc pour ce faire, vous allez utiliser le SDK InstantApp. Donc vous ajoutez cette dépendance à votre projet. Et puis dans votre code, vous allez pouvoir ajouter ce petit code assez simple, hein. Qu'est-ce que je fais? C'est que si je suis une InstantApp, alors je vais pouvoir proposer ce qu'on appelle le install prompt. D'accord? Et cette install prompt, donc par la méthode show install prompt, prend en paramètre le contexte qui appelant, donc en l'occurrence this dans ce cas-là. Ensuite, un intent qui va être utilisé lorsque vous allez vraiment installer l'app, et donc c'est cet intent qui va être démarré. Un request code, donc c'est quelque chose de très courant sur Android, c'est même la seule façon de faire. Et puis ensuite, le dernier paramètre, c'est le referrer, donc ce qui peut être très utile si vous voulez savoir comment a été installée votre application. Donc ça va être un referrer qui va être passé à votre application lorsqu'elle va vraiment être installée. Un autre aspect qui est super important pour l'utilisateur, c'est que si des choses ont été faites lorsque l'application était instant et qu'il upgrade à une installable app, bah vous ne voulez pas que l'utilisateur se retrouve à tout faire, d'accord, à se reconnecter ou à remettre en favori tout ce qu'il avait fait. Donc vous voulez garder l'état de l'utilisateur ou en tout cas tout ce qu'il a pu faire avant. Et donc ça peut se faire par deux façons. La première façon, c'est ce qu'on appelle la cookie app. Donc cookie, un petit peu comme on a dans le monde du web. Tout simplement, vous allez pouvoir dire au système Android, mets ça en mémoire. Donc, c'est un système de clé-valeur assez simple. Enfin, c'est même pas de clé-valeur, je crois que c'est juste un blob de données, mais associé à votre application. Et puis, garde ça en mémoire. Et puis, lorsque je vais être installé de façon installable, donc lorsque je vais upgrader de instant à installable app, je vais pouvoir récupérer ce cookie. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais ici? Donc, c'est du Kotlin, encore une fois. Donc, le package manager, je regarde si mon cookie a une taille inférieure à une taille maximale. Donc ça, c'est pour éviter que vous mettiez des mégas et des mégas de cookies dans le package manager. Donc c'est simplement une sécurité pour éviter que vous puissiez faire crasher, on va dire, le système. Vous allez updater l'instant app cookie et c'est tout ce que vous avez à faire du côté instant app. Et puis une fois que vous avez, enfin que l'utilisateur a téléchargé l'installable app, vous allez pouvoir dans votre installable app récupérer ce cookie en utilisant simplement packageManager.instantAppCookie, d'accord? Et avec ce cookie, vous allez restaurer exactement l'état qui était le précédent dans l'InstantApp, d'accord? Et une fois que ce cookie a été utilisé, bah, n'oubliez pas bien sûr de le supprimer du Package Manager parce que ça ne sert à rien de le laisser. Donc ça, c'était la première façon qui a été mise en place par Google. Ça rend les choses possibles, j'avoue. Par contre, c'est un petit peu lourd parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire de façon beaucoup plus facile. Par exemple, si vous avez des shared préférences, donc des préférences utilisateurs en utilisant le framework Android, vous vous retrouvez à migrer ces shared préférences à la mano en tant que développeur. C'est assez dérangeant, voire même ça prend beaucoup de temps et pour pas grand-chose, quoi. Heureusement, dernièrement, en fait, Google a sorti une nouvelle approche qui s'appelle les Instant App Data. Donc, vous allez pouvoir intégrer encore une fois cette dépendance. Et là, plutôt que de dire j'ai un cookie qui est un blob de byte, enfin un array de byte, je vais tout simplement récupérer un fichier zip qui contient tous les fichiers qui étaient en fait dans le dossier data de votre Instant App. D'accord? Donc ici, je prends l'instantapps.getInstantAppsClient, donc je récupère un client, donc ça c'est quelque chose d'assez courant dans les Google Play Services. Et une fois que j'ai récupéré ce client, je vais pouvoir lui demander de récupérer cette data-là. D'accord? Donc read data, c'est du Kotlin, donc il n'y a pas beaucoup, c'est pas très verbeux, mais add-on complete listener va tout simplement être appelé lorsque le fichier zip a été récupéré. Et donc il va s'appeler ici it, et donc je vais pouvoir récupérer tous ces fichiers. Et donc qu'est-ce que contient ce fichier zip? Bah, tout simplement ce que je disais, donc les shared preferences, les bases de données, tout ce qui était derrière le dossier getFileDir et tout ce qui est derrière les dossiers getDir. Donc vraiment, c'est en gros toute la data de votre application. Et tout ce que vous allez avoir à faire, bah, c'est de les migrer vers votre file system de votre installable app. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, bah, automatiquement, l'utilisateur va se retrouver avec exactement le même état que lequel il était pardon, précédemment avec son instant app.
Je pense que d'un point de vue technique, on a à peu près fait le tour. Moi, je voulais juste rajouter quelques petits slides, parce qu'on n'est pas juste dans une conf, c'est une conf plutôt orientée très Android, mais on n'est pas que dans une conf dédiée Android. Donc, je voulais aussi un petit peu parler de Instantable dans la vie réelle, dans la vie de tous les jours, et notamment de ce fameux combat, je dirais, entre Instantable et Progressive Web Apps, parce qu'on peut se poser cette question-là. Au final, les deux solutions essaient de résoudre les mêmes problèmes, les mêmes problématiques, avec des noms assez marketing, etc., etc. Mais dans quelle situation utiliser Instantable plutôt que Progressive Web Apps? Alors ça, je pense que ça dépend vraiment de votre contexte. En l'occurrence, je pense que Instantable a quand même cet avantage d'être vraiment très natif. Donc vous avez vraiment une application native. Par contre, ça tourne que sur Android. Et Progressive Web Apps, bon, même si ça tourne pas partout non plus encore pour l'instant, mais on y arrive, a plutôt cet avantage de tourner un petit peu plus sur toutes les plateformes. De mon point de vue personnel, j'aurais une tendance à utiliser, privilégier Android Instant Apps uniquement lorsque vous avez déjà une code base existante qui se modularise très rapidement, parce que vous pouvez en une semaine avoir une Instant App. D'accord ? Progressive Web Apps, si vous avez déjà quelque chose, essayez de rester sur Progressive Web Apps, ça a peut-être du chance. Mais encore une fois, je pense que tout ça, ça dépend vraiment de votre contexte. Et le mieux, c'est de justement se confronter à votre contexte, à savoir la taille de votre équipe technique, votre marché aussi. Si vous n'avez que des Android, peut-être que ça vaut le coup de faire de l'Android Instant Apps, vos utilisateurs, vos prérequis de qualité, votre produit également. Donc vraiment, tout ça, c'est deux approches complètement... Enfin, deux approches différentes qui permettent de résoudre à peu près les mêmes problématiques, mais qui fournissent pas forcément le même set de fonctionnalités. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans tous les cas, je serai là juste après pour discuter un petit peu d'Android Instant Apps. Merci. Oui, des questions juste devant. Alors, je pense qu'il faut... On attend le micro ou je répète? Je vais répéter. Ah non. Ouais. Merci. C'est pas grave. De rien. Ok. D'accord. Mon appli d'installer. Ok. Alors, hop là. Alors, donc, je répète pas la question, c'est bon? Ok. Donc, bien sûr, on peut imaginer donc des liens qui sont envoyés et qui permettent d'installer une Instant App qui n'est pas forcément très judicieuse, on va dire, pour le device. Mais bon, ce que j'ai pas décrit dans toute cette présentation, c'est que les Instant App tournent dans un modèle. Un petit peu différent des applications régulières, donc elles sont très sandboxées et elles ne peuvent pas par exemple accéder aux contacts sans la permission de l'utilisateur, elles ne peuvent pas accéder au calendrier sans la permission de l'utilisateur. Donc tout ça fait qu'au final, même si ça va fonctionner, ça peut fonctionner d'avoir un lien, monvirus.com et sur lequel quelqu'un va cliquer et afficher une Instant App, généralement en fait cette Instant App ne va pas pouvoir faire beaucoup de choses derrière, quoi. Et encore une fois, pareil, hein, cet Instant App n'est pas installé sur le système. C'est-à-dire que le système, à tout moment, peut l'enlever, parce que ce n'est pas l'application qui a été installée par l'utilisateur, c'est simplement une application instant, et donc qui peut, s'il y a besoin de place, ou si la politique, on va dire, de nettoyage du système peut être de 2 heures, et peut-être que 2 heures plus tard, l'APK n'est plus là. Quoi. Donc c'est pas quelque chose... Et pareil, une Instant App ne peut pas tourner en tâche de fond. Il y a plein de limitations qui font que on ne peut pas vraiment avoir un virus comme on pourrait imaginer avec une Instant App, même si c'est avec une Installable App. Même avec une Installable App, c'est compliqué, je pense aussi. Et puis juste dernier point, en fait, sur cet aspect lien application native, je veux quand même répéter que je ne peux pas, moi, mettre une Instant App sur google.fr. Encore une fois, il y a besoin d'avoir une association entre l'application et le site et le domaine, sauf si vous savez accéder prendre le contrôle de google.fr, mais sinon vous ne pourrez pas associer une Instant App à vous derrière un domaine que vous ne contrôlez pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'était clair. Bon, je vous remercie beaucoup en tout cas.